Bonjour à tous, j'ai récemment terminé l'attaque des titans, ou plutôt en japonais, Shingeru no Kui. SNK, et j'ai été agréablement surpris de cette découverte, d'autant plus que c'est un des tout premiers animés que j'ai regardé. Le but de cette vidéo est simplement d'essayer d'analyser ensemble la saison 3 afin d'en tirer un maximum d'informations pour la probable suite de l'attaque des titans. Il aura de soi que cette vidéo sera bourrée de spoils et que j'invite toutes les personnes n'ayant pas vu les saisons antérieures à se ruer dessus comme on pourrait le faire sur du PQ dans les supermarchés en temps de Covid. Dans un autre magasin, ces deux femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon a été dévalisé. Malgré cette métaphore, loin de moi l'idée de prouver que cette série est à chier, car je dois dire que c'est un véritable coup de cœur et qui m'a même donné envie d'en faire une vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! La saison 3 de l'attaque des titans est remplie d'indices, de scènes et de messages pouvant nous révéler des informations sur la suite de l'œuvre. En effet, n'ayant pas lu les mangas, je ne me prononcerai pas sur la suite originale du manga, mais plutôt de mon ressenti par rapport aux éléments que l'on pourra retrouver dans l'animé en lui-même. Mais en gros, ce que l'on peut retenir de l'histoire du manga, c'est qu'il existait une contrée, appelée la contrée de Mar, et qui possédait deux types de populations. D'une part, les Mar et de l'autre, les Eldians, qui sont des ancêtres du titan originel et qui sont persécutés par les Mar eux-mêmes à cause d'un conflit global historique de titans. La plus grande partie des Eldians ont donc été en quelque sorte déportés sur l'île du Paradis, possédant trois murs, le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. Le titan originel aurait donc ensuite effacé la mémoire de tous ces sujets, laissant à son peuple l'impression d'être opprimé par les titans, bien plus grands et robustes, contre lesquels ils devront se combattre mais qui sans le savoir sont eux-mêmes des exilés Eldians. La vie sur l'île du Paradis fera donc l'objet de la saison 1, 2 et 3 de l'animé L'Attaque des Titans. Je fais très probablement des raccourcis honteux pour les fans incontestables de la série, mais sachez que mon but est simplement ici de l'expliquer facilement. On est dans cet animé dans un contraste intéressant qui nous fait penser dans les premiers épisodes qu'il s'agit d'une histoire plutôt originale, voire rigolote, et qu'il faudrait juste poser son cerveau sur sa table de chevet pour la regarder sans se prendre la tête. En avançant rapidement dans SNK, ce dernier s'impose lentement en tant que réelle dystopie pour un public confirmé, plutôt qu'aux enfants incapables de saisir toutes les subtilités de l'œuvre. En effet, on part de base d'une violence légitime, il faut tuer les titans car ils mettent en péril l'avenir de la population. Un acte quasi barbare, qui est de tuer des gens normaux qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être transformés en titans, avec la révélation d'Onzi à Levi et Erwin à la fin de la saison 2. Malgré ce que l'on peut penser, les moments heureux pour nos héros sont très rares avec des pertes humaines régulières et un enfermement permanent pour le peuple. La fin de la saison 1 nous fait comprendre que l'ennemi est partout et qu'une offensive doit être menée, et la fin de la saison 2 nous tisse le combat contre le titan bestial en approche. Globalement, dans tous ces exemples, aucun ne sont heureux puisqu'il en va de soi que cela reste du combat et que la paix n'est jamais au rendez-vous. De plus, on parle quand même d'une série dans laquelle le personnage principal a pour seule quête la vengeance, quelque chose de pas très friendly pour des enfants si je puis me permettre. Ainsi, dans tout ce malheur, la fin de la saison 3 commence à nous apporter un peu d'espoir et il en fallait parce que j'étais clairement prêt à me faire sauter la cervelle. Enfin, le bataillon d'exploration que l'on a suivi durant tout ce temps touche à son but, la découverte de la mer. Ah, enfin, le fameux rêve d'Armin qui se réalise. Tout va bien maintenant, je peux dormir sur mes deux oreilles. Eh bien, non. Là est justement toute la justesse et la complexité de cette œuvre. La mer, dans les pensées communes, représente la liberté, l'évasion, et ce message a été longuement ravivé par le monde de l'art qui ne cesse de la représenter comme une réussite et qui fait donc l'apologie des exploits du bataillon d'exploration dans ce cas précis. Mais en l'occurrence, le bonheur des personnages de SNK ne fut que de courte durée, car Eren ne comprendra qu'une fois cette mer passée, il faudra une nouvelle fois se battre contre d'autres ennemis. On y voit ici une philosophie de vie plutôt pessimiste, avec l'idée que la fin d'une sombre période amène de la joie pendant un court instant pour au final retomber dans l'échec, l'affront et la difficulté, et qui ne cesse de s'amplifier avec cette phrase de Eren. Petit détail bonus tiré du manga cette fois-ci, Armin tient dans ses mains un coquillage qu'il voit comme une forme de beauté et de liberté, alors que le coquillage n'est autre que le symbole du royaume des Mar, et qui introduit probablement cette rivalité à venir entre les deux peuples. Cependant, en regardant attentivement l'animé, j'ai pu me convaincre d'une théorie qui, je pense, se répétera dans la saison 4 de l'attaque des titans. Ma théorie repose sur le fait que cet animé ne serait autre qu'un thriller psychologique, avec du suspense sans répit, des scènes violentes et touchantes qui n'ont pour seul but d'apporter un message au spectateur. Ce phénomène psychologique s'appelle le triangle de Cartman, ou le triangle dramatique, et repose sur trois piliers dont je vais vous faire part. Il en va donc d'un triangle possédant de ce fait trois angles, respectivement imagés par le persécuteur, le sauveur,
et la victime, dans un cas classique de triangle dramatique, donc trois personnes, chaque entité passera par les trois piliers du triangle lors d'une dispute. Un persécuteur deviendra donc victime pour ensuite devenir sauveur, et ou inversement. Ce schéma peut s'appliquer à tout l'attaque des titans depuis la saison 1. Les héros de l'histoire, tous représentés par le bataillon d'exploration, le peuple, représenté par toutes les personnes ne faisant pas partie du bataillon, et les titans. Au commencement de la série, nous sommes déjà implantés dans le triangle de Cartman. Les titans sont les persécuteurs du peuple qui sont par conséquent les victimes et qui seront plus ou moins brillamment sauvés par le bataillon d'exploration qui évitera de courir le monde à sa perte. Nous sommes à peu près dans un schéma regroupant la totalité de la saison 1. Dans la saison 2, le bataillon mettra des moyens colossaux pour reprendre la situation en main, en faisant des titans leurs victimes. Ces derniers seront progressivement sauvés par le peuple, dans le sens où ce dernier deviendra le persécuteur du bataillon, car non convaincu par les pertes énormes d'Erwin remettant en cause tout le bataillon. Ainsi, dans la saison 3, le peuple deviendra le persécuteur du bataillon, à l'image de Kenny et de ses hommes chargés de chasser les acolytes d'Eren et d'Historia, mais également de la méfiance et accusation des habitants des murs qui pensent sincèrement que l'État les manipule. Cependant, grâce aux titans, le bataillon retrouvera de l'importance après leur réussite face aux pères d'Historia et à leur reconquête du mur Maria. Dans ces cas-là, on parle plus d'un support pour apporter de l'aide plutôt que de l'aide directe. Comme vous le comprenez, les titans n'ont pas directement aidé les hommes d'Erwin. Tout ça pour dire que je ne serais pas étonné de voir ce même schéma de triangle dramatique dans la saison 4 de SNK, en voyant les titans remplacés par des guerriers du peuple Mar par exemple. Grâce aux détails présentés par l'anime, nous sommes d'ailleurs en droit de se poser des questions sur plein de petites théories plus ou moins cohérentes, mais qui doivent avoir le mérite d'être entendues telles que le fait qu'Anzi meurt rapidement pour laisser sa place à Armin, car on le connaît pour ses talents de penseur, ou encore qu'Armin soit en fait le seul survivant de cette guerre, tout du moins l'homme à l'origine d'une potentielle paix, et qu'il relate des faits après cette période et après avoir perdu ses amis. Amis qui peuvent d'ailleurs être remis en cause étant donné qu'il y a de grandes chances qu'Eren et Armin ne soient plus amis et entrent en conflit dans la saison 4. Toutes ces théories et explications ne restent que de l'ordre de l'imaginaire et ne doivent en aucun cas être la vérité absolue, du moins j'en doute. Et une seule et unique phrase peut nous expliquer la façon d'en être sûr. L'avenir nous le dira.